Parking du barrage de Plan d'Abon. Et c'est parti vers le sommet du barrage. Ne pas espérer traverser, c'est interdit. Par contre, on a le droit de pêcher. Et bien, on va se diriger vers là-haut, vers le refuge de la Fournache. Et vers le grand col là-bas. C'est magique par ici, c'est très très joli. C'est bien par là. Le chemin qui surplombe le lac est très très joli à faire. Direction la Fournache. Les deux barrages en enfilade, Plan d'Amont et Plan d'Aval. Le râteau d'Aussois là-haut. Le refuge de la Fournache et le fameux rocher du Grand Châtelard. Alors je sais pas encore si ça passe à droite ou à gauche, je verrai bien. Du refuge, juste au-dessus, il y a un petit sentier qui arrive au petit chalet d'alpage et qui continue sur la pente en face. Après, je vais peut-être monter par le couloir de la Lauza. C'est le petit col ou la petite brèche qui est à droite des aiguilles là. Très beaux édelweiss, mal éclairé, c'est dommage. Un petit bouquet. Attention, ne pas cueillir. Par ici, il faut même faire attention de ne pas les écraser. Je suis monté à droite du Grand Châtelard, comme me l'avait indiqué la sympathique gardienne du refuge. Et là, on se retrouve dans des énormes moraines. Et il y a un bout de sentier que je vais suivre un petit peu. Voir après où je passe. Le sentier se perd un peu, mais bon, on arrive à retrouver un cairn. Et puis aussi l'itinéraire qui vient du refuge de la Dent Parachée. Là, j'ai trouvé un petit passage dans la moraine. Alors je ne sais pas encore si je vais monter vers le col de la Dent Parachée ou si je vais aller vers la brèche de la Lauza. Mais bon, je vais m'approcher encore un peu, mais ça m'a l'air compromis là-haut. Il paraît que c'est facile quand il y a de la neige. Un morceau de roche métamorphique un peu bizarre.
Ça monte grosso modo sur la gauche de la combe. Complètement à gauche de la longue moraine. En direction du camp col. Eh bien, c'est l'éboulis le plus dur que je connaisse, hein. Déjà à monter, c'est pas facile. À descendre, ça devait rouler facilement, je pense. Et là, ça monte encore. Je vais essayer de passer à gauche de ce gros gendarme là. Bon, bah, ça devient trop craignos là pour moi. Alors, je vais m'arrêter là et je vais redescendre. Alors, pour la descente, comme je le pensais, ça va tout seul. Ça descend super, même, c'est agréable. Par contre, précaution à prendre. De bonnes chaussures de montagne, si possible la coque, et puis un casque, parce que bon, là il est rien tombé, mais on sait jamais. Vu tous les cailloux qui traînent sur les névés, ben ils sont pas arrivés là par hasard. En tout cas, la combe est très très belle, c'est magnifique ici. C'est vraiment rocheux, 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 c'est très joli. Il y a même un petit lac de fonte. Alors cette fois, je vais passer à droite du Grand Châtelard pour rejoindre le refuge de la Dent Parachée. En fait, l'été, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun passage. La pointe là-haut a l'air de se faire. Mais bon, aujourd'hui, j'ai ma dose d'éboulis. En passant par la moraine avec mes sabots. À la sortie des Pierriers, on finit par retrouver un petit sentier qui va vers le refuge de la Dent Parachée. En face, on a le col de la Masse, ce grand col au milieu, le râteau d'Aussoy et la pointe des Échelles. De l'autre côté, c'est dommage. C'est la station de ski. Donc il y a les sièges, les poteaux, tout ça. C'est moyen. Le petit sentier rejoint le chemin qui va au refuge de la Dent Parachée. C'est très joli par ici. Vu que ce vallon est très joli,
Au lieu de descendre au refuge, j'ai décidé d'essayer de monter au lac du Genepi. Me voici arrivé au lac du Genepi. Il fait froid et il y a du vent. Et il y a des bouquetins. Des chamois assez rares, de les voir d'aussi près, ils sont jolis. Salut toi! On dirait que tu cherches la compagnie, toi.
coussinets sont vraiment très jolis. On est au pays des cairns, c'est marrant. Là, ils ont bordé tout le sentier. Eh bien, je vais quitter à regret ce joli vallon. C'est vraiment merveilleux et puis je le conseille à tout le monde. C'est facile, il n'y a pas de difficulté. Et voici le refuge de la dent parachée. Ah, il est bien situé avec le lac juste en dessous là. Voilà, je vais prolonger ma rando en allant là-bas, au refuge fond de soi. Eh ben, il est très bien ce sentier qui va vers le fond du vallon. Agrémenté de ruisseaux et tout, c'est joli. Alors le refuge du fond de l'Aussois est bien au fond effectivement, mais bon je vais pas y aller, c'est pas la peine, parce que le sentier va arriver par ici, et là on a la petite chapelle Notre-Dame des Anges. Le sentier qui ne peut pas traverser le ruisseau arrive au petit pont du coup. Et là, je vais aller voir la petite chapelle. Elle est très jolie cette chapelle avec son toit en lauze. Dommage qu'elle soit fermée. Voilà, je retrouve l'itinéraire de ce matin. Et ben, ça a été une balade magnifique. Hein. Alors la première partie vers la dent parachée est très dure à ne pas faire. Et la seconde partie vers le Genépi, alors là, formidable, conseillé à tous. Allez, je rentre à la voiture. Salut la marmotte.